7h15. Waouh, c'est le bordel à Bordeaux. Ah, les heures de pointe. Bon, encore derrière moi, là, il y avait un gros bouchon. Là. Le meilleur est à venir. Et 73-51, les stations en fréquence de la part de Dundee 33 depuis le haut du pont d'Aquitaine. Et côté circulation, bon ben, vu l'heure, c'est normal, c'est le caca dans le sens de la descente. Enfin bon, ça roule quand même. Et dans la montée, c'est tout cuillot. Bonne journée à tous. Oh, j'ai entendu quelqu'un noyer dans les parasites là du pont. Les 73-51, la station, bonne journée. Oh, mais c'est qu'il y a du monde en fréquence. Dommage qu'il y ait autant de QRM comme ça sur le pont. Hein. Attention, 100 heures pour Dundee 33 qui t'appelle. Attention, le coyote de Codéran, le coyote de Codéran pour Dundee 33 qui t'appelle. Il y en a qui sont encore au 144. Ah, je suis en train de me faire moustacher. C'est où ? Qu'est-ce que c'est que ça? Tikidi. Attention, Yankee 33 pour Dundee 33 qui t'appelle. Je suis dans ton quartier, Hachy. Attention, 100h33 pour Dundee 33 qui t'appelle. Attention, la belette pour Dundee 33 qui t'appelle. Et il est pas là, la belette. Putain, pour une fois que je suis sur Bordeaux. J'ai entendu un retour bip de 9009.
Les 73-51 à la station de la part de Dindy 33 sur la rocade de Bordeaux, à la hauteur de... j'aimerais bien le savoir. Bref, en direction de Mérignac. Et moi là, 7h28, je suis peut-être un peu trop en avance là pour être à Mérignac à 8h30. Ah, ça va le faire, je le sens bien. Ouais, ça, c'est un retour vite de 9009. C'est que l'X, appel en direction de 9 Bravo Charlie 555 pour 14 km 33-01 Rémi. Oh, j'ai entendu un double Roger Bip que je connais bien, mais très très QRP, les 73 Gilles de Rémi. Je suis sur Bordeaux, je suis à l'ouest sur Bordeaux, je suis en plein dans les QRM, en pleine ville. Allez, 73-51 à toi Frangin, en espérant que tu vas bien, que tu t'es bien réveillé ce matin. Hachi, pour ma part, là je sors de stage, j'étais en stage secouriste du travail. Ah, ça y est, ça monte un petit peu de mon côté. Là, je suis un petit peu sorti de QRM, mais bon, je suis encore en pleine ville. Après, là, je sais pas, ça, je verrai bien là tout à l'heure si ça va mieux et tout. Mais bon, ça va pour l'instant, moi, j'arrive à t'entendre. Là, pour l'instant, c'est quand même assez cuiro, j'arrive à te sortir. Voilà, j'ai pas eu Roger. Ouais, je te disais donc que là, je sors de stage. Stage travail. Voilà, donc là, je sors juste à l'instant. Là, je reprends la route pour rentrer à la maison. Voilà, donc là, j'ai bien une bonne heure de route suivant comment ça va rouler. Et là, attends, je viens de tourner, mais je sais même pas où j'ai tourné. Je reconnais pas la route. Ah, chi trois coups. Ok, si, c'est bon, je reconnais. C'est que la route a changé, là, depuis la dernière fois que je suis passé par ici. Et du coup, ils ont mis un rond-point que je découvre pour la première fois. Voilà, là, je vais arriver là sur la rocade de Bordeaux, sur la route de contournement là de Bordeaux, là, sur la rocade de Bordeaux. Voilà, je suis en train d'arriver dessus là. Au fait, Bordeaux, ça s'écrit avec un X à la fin. Voilà, j'ai vu ça dans tes messages, dans tes listes de contacts. Bordeaux, tu oublies à chaque fois le X qui est à la fin, X-ray à la fin de Bordeaux. Attends, j'ai entendu quelqu'un derrière. Il y a quelqu'un derrière, mais c'est beaucoup trop QRP de mon côté avec les QRM que j'ai ici. Ouais, c'est gazouille derrière.
exploitation 14 km 3309 Isabelle. Est-ce que tu es derrière? Attention le petit renard pour Dindy 33, est-ce que tu es derrière? Ah, je me retrouve tout seul sur la fréquence, maman j'ai peur. Hop là, il y a quelqu'un là qui m'a cassé l'aiguille. J'ai l'aiguille du Lincoln 2 là, qui a fait 3 tours dans son slip. Les 73-51, la station. Oh, ça, c'est... Si, je l'ai sur le bout de la langue. Alors, c'est soit Yankee 33, ou alors... Ah, zut, de Codéran. Ah ben, ça y est, je vais pas arriver. Voilà, c'était ça, le coyote de Codéran, c'est exactement ça que je cherchais. C'est pour ça que j'ai rajouté Codéran, pour te montrer qu'effectivement, c'était bien ça que je cherchais. Alors derrière, il y a le Québec. Tu as Gilles, 9 Bravo Charlie 555, sur le Québec, qui est juste à l'ouest de Montréal. Là, qui est en fréquence derrière, là. Je viens de lui parler, là, juste avant, là. Attention Gilles, est-ce que tu es... je ne sais pas si la propague est retombée. Gilles, retour de micro. Ok, tu as le coyote de Codéran qui est là, juste là derrière. Il est en banlieue de Bordeaux, c'est-à-dire Bordeaux Nord-Ouest. Voilà, dans la banlieue de Bordeaux Nord-Ouest. Je sais pas si tu l'entends la dernière. Retour à toi, Gilles. Ok, reçu. Donc, son QRZ, le coyote de Codéran. Voilà, le coyote de Codéran. Je lui repasse le micro là, pour qu'il puisse te parler. À toi le coyote. Salut, salutations, moi, de Montréal. Je viens de mettre un peu la puissance pour savoir s'il m'entend. Mon problème, c'est qu'il est un peu dans les QRM, donc je le devine au fond. Et j'ai un peu de mal à comprendre ce qu'il dit. Mais j'ai bien entendu l'accent. Ça, par contre, j'ai très bien entendu. Je lui retourne le micro s'il m'entend. Ouais, retour Gilles pour le coyote de Codéran. Ok, ben il t'envoie les bottes 73-51, il t'a entendu, mais bon, noyé dans les QRM, parce que bon, de ce côté, en ville, comme ça, il y a énormément de QRM ici, hein. Là, tout ce qui est Codéran, Bordeaux, Mérignac, c'est très très chargé en QRM, c'est compliqué. Mais il a entendu ton accent et il est super content d'avoir le Québec à la radio. Ok, bon, le
période du Codéran, il t'envoie les bonnes, Gilles t'envoie les bonnes 73-51. Donc son indicatif, 9, bravo Charlie, 555 Gilles. Voilà, sur Pointe Calumet, à côté du parc de Oka, ça se trouve juste à l'ouest, à 30 km à l'ouest de Montréal. Le retour de Coyote. Ok, donc tu es aussi en mobile, le Coyote de Codéran. Oui, je suis toujours mobile. Bon, et là, je suis avec le Lincoln pour charger du bill, évidemment. Et je suis toujours avec la ML 145 sur le toit, quoi. Ok, d'accord. Ouais, Gilles, eh bien, toi, là, avec le Coyote de Codéran, là, on est tous les deux en mobile. Voilà, toi en fixe, et nous, de notre côté, tous les deux en mobile. Retour, Gilles. Eh bien moi je suis en train de jongler au niveau du clarifieur. Un coup j'attrape le clarifieur pour toi, qui est bien placé. Un coup j'attrape le clarifieur pour lui. je jongle entre les deux. Un coup l'un, un coup l'autre. Retour Gilles. C'est la même chose côté ici. C'est la même chose côté ici, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Au moins on a passé la crise que. Affirmatif, tiens, j'ai de la moustache de mon côté, je ne sais pas si c'est en AMFM, mais là c'est moustache dure. Alors là Gilles, sur Bordeaux Nord, quand tu regardes la carte, il y a un lac au nord de Bordeaux. Je suis en train de passer là au-dessus, au milieu du lac. Donc le lac de Bordeaux Nord, je suis en train de passer là pour aller en direction après d'un grand pont, le pont d'Aquitaine. Voilà, que j'attraperai là d'ici quelques instants. Il y a j'ai pas entendu le petit renard, je viens juste d'arriver en fréquence. Aussitôt en fréquence, aussitôt je t'ai appelé. Voilà, donc non, je ne l'ai pas entendu. Attends, je suis en train de regarder la circulation devant moi. Oh oh, je vais me refoutre plutôt au milieu. Il y a tout le monde qui débauche là ici en France. Il y a tout le monde qui est en train de sortir là, du travail, là ici, ça commence à bouchonner un petit peu. Oh, bah ça va encore. J'ai vu pire. Donc là, je suis en train d'arriver là au pied. Allez, que tout le monde se mette d'accord. Voilà, que tout le monde se mette d'accord. Je suis en train d'arriver au pied là du pont d'Aquitaine. Quand je vais être sur le pont, tu vas avoir l'impression que je suis à côté de toi, Gilles. Attends, hey Gilles, il faut que je me trouve un haut-parleur DSP pour la voiture. Parce que là, j'ai un de ces paquets de QRM ici, de parasites ici. Je suis plus habitué à ça, moi, avec ce que j'ai à la maison. Ah tiens, à propos de la maison, j'ai toujours pas eu le temps de regarder le poste. Et puis là, de toute façon, là, vu l'heure, ici, il est 16h15. Oui, regarde sur le mur à droite. Donc là, le temps de rentrer et tout, là, je vais pas avoir du tout le temps là, de mettre dessus. Je vais plutôt me mettre sur l'ordinateur, avoir les messages à droite, à gauche. Là, je suis en train en même temps de faire une vidéo. Hein. Donc là, tu pourras voir un petit peu là, au fil de la route là, ce que ça donne de mon côté. Oui monsieur, oh oui. Alors attends, voilà, là je suis en train d'arriver en haut du pont d'Aquitaine. Alors 5, 4, 3, 2, 1, je suis au sommet là du pont d'Aquitaine.
Les 73-51, tout l'ensemble du Québec, du groupe des Tannons et tout, de la part de 14 km 3301, Dandy 33, Rémi, et il faut que je gueule moins fort parce que ça fait monter l'écho. Voilà, en mobile, sur le point le plus haut, là, ici, c'est-à-dire sur le pont d'Aquitaine. Gilles, m'as-tu entendu quand je suis passé sur le pont? Ah, chie trois coups. Oh putain, cette dose de QRM. Bon, c'est pas grave, je vais faire un retour sur le Coyote de Codéran. Voilà, je suis dans le virage là de l'Ormont. Hein. Ouais, c'est vrai que à chaque fois je suis obligé de te chercher. Ouais, il faudrait. Alors c'est pas évident comme ça là. Comment ça, tu sais pas comment il fonctionne? Attends, que je fasse pas de conneries là ici. Voilà. Là oui, c'est au niveau des hertz. Hein, il faut que tu déplaces le point. En appuyant sur le bouton de changement de fréquence canaux de façon à faire clignoter les hertz, voilà, les centaines de hertz je veux dire, et puis là faut que tu remontes, voilà, je crois que c'était plutôt ça la question, il faudrait que tu remontes en fréquence. Ouais, c'est curieux. Si tu mets clarifier à midi, c'est qu'au niveau fréquence, ouais, c'est curieux. C'est curieux parce que vu le décalage, le clarifier devrait pas être à midi de ton côté. Il devrait plutôt être. Alors attends, que je regarde comment je suis. Je suis plutôt à 10h30 de mon côté, donc toi le clarifier, il devrait être plutôt vers 2h. Je suis. Non, qu'est-ce que je raconte? 10h30. Ouais, toi de ton côté, le clarifier, il devrait être plutôt vers 1h30. C'est-à-dire un peu tourné à droite. Ça devrait être comme ça, là, normalement, de ton côté, là, pour m'entendre. C'est curieux, quoi. Ok, ah ben voilà pourquoi. Donc il faut vraiment que tu déplaces la virgule de façon. Alors attends que je fasse pas de conneries parce que je suis en pleine circulation. Oui Gilles, je vais te repasser le micro de suite. Ouais, il faut vraiment que là tu avec le bouton de changement de canal de fréquence, que tu fasses clignoter le dernier chiffre à droite de façon à revenir sur la fréquence. Je vais faire un retour de micro sur Gilles, je l'ai entendu aboyer derrière. Ah, chie trois coups, retour Gilles. Cette cacophonie là-dessus, les 73, oh ben zut, le petit renard, voilà, les 73-51, le petit renard, donc la station qui était avec moi là de Codéran, ben c'est le Coyote de Codéran, voilà, qui est avec nous en fréquence. Donc les 73-51 retournés, là pour ma part, je sors de stage, j'étais à la boîte là à Bérignac, voilà, en stage SST, secouriste du travail quoi. Voilà, donc, et là, je ressors juste, là, je suis sur la rocade, j'arrive à la hauteur de la sortie 26. Voilà, pour attraper ensuite Saint-Émilion. Retour, le petit renard. Allez, merci.
Quelqu'un qui part derrière, mais waouh! Ça, c'est dangereux de faire ça!
accident, j'ai toujours dans les QRM, mais ce coup-ci, là, je suis sur la nationale 89, donc en direction de Libourne. Voilà, je suis en train, là, je suis presque à la hauteur de la sortie Arctique 13 Pompignac, Ivrac. Voilà, je suis presque rendu à cette sortie-là pour continuer jusqu'à la sortie Libourne. C'est alors attends, j'en ai un là qui roule pas devant moi. Voilà, ok. Putain, j'avais oublié tellement qu'à quel point il y avait des QRM par ici. Ouais, aïe 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 aïe. Ça m'a pas manqué ça au QRA, toi, là, tous ces QRM que j'attrape ici. Quoi.
une. Prête-moi ton filtre DSP. Je vais devenir sourd. Retour du micro à qui ? Non, c'est pas à moi. Comment ? Oui, très beau temps après-midi, il est 12 degrés, ça fait un jour de gros soleil depuis ce matin 9h, Pascal. C'est vrai qu'il fait bon là aujourd'hui ici. Ce matin, j'ai gratté le pare-brise, important. C'était gelé de mon côté. Voilà, sorti du bourg. Je suis toujours là, je suis sur la rocade de Libourne. Voilà, Gilles, Libourne. Tu vas voir un petit blanc. Ah, j'ai entendu la Guadeloupe. Thank you.
Ok, au plaisir, Pascal. Qu'est-ce qu'il fait, l'autre, là? Qu'est-ce qu'il fait? Ouais, affirmatif, je suis toujours là. Là, je suis Salaroca de Libourne, avec le beau soleil qu'il y a là sur la Gironde. C'est vrai qu'un temps comme ça, ça fait plaisir. Surtout, vu des températures qu'il y a eu sur le Québec. Bah, d'ailleurs, je crois que ça doit commencer à remonter un petit peu aujourd'hui. Je ne sais pas si Gilles a donné les températures, mais ça doit faire encore bien froid aujourd'hui. Retour à toi, le petit renard. Oui, oui, Christian, Rémi, j'étais à 30, moins 31 samedi, là, et ça remontait hier, même aujourd'hui, 2-3 degrés, là, sont positifs, plus un négatif, voilà. Bon, ben, nous aussi, ça remonte, 12-13, c'est bon, par rapport au matin, là, ça va. Oui, il y a un soleil, il y a 22 degrés dans la maison, tu vois. Normalement, je vais faire dans la maison. Les vitres ouvertes, le soleil rentré, et puis maintenant, il tape derrière les carreaux, et ça fait que c'est bon, 22 degrés. J'ai le soleil de ouest, là, qui me tape dans le dos, et j'ai chaud. Je suis bien, là. Rémi, tu es là. Ah, si t'as chaud, c'est parce que tu réfléchis trop. Non, c'est vrai qu'il fait bon aujourd'hui, ça va. Ça va, c'est... bon, ça reste quand même frais, hein, dehors. Hein. Parce que, bon, c'est vrai que je vois, nous, dans la salle de formation, là où on était, là, pour le SST, recyclage, secouriste du travail, bon, c'est vrai qu'on n'avait pas froid. Mais bon, il y a le chauffage à l'intérieur, il y a tout ça. Mais je vois des collègues qui étaient du côté fenêtre et tout, qui avaient le soleil dans le dos. C'est vrai qu'ils le disaient qu'il fait bon, quand même. Ouais, c'est sûr. Je vais faire un retour. Je pense que je dois être trop loin, peut-être, du Coyote de Codéran. À toi, le Coyote de Codéran, si tu m'entends toujours. Bon, le petit renard, je n'entends plus, le Coyote de Codéran. Je ne sais pas s'il est encore là. Oui, moi non plus, je n'entends pas du tout. Ouais. Ok, Rémi. Voilà. Bon, ben oui, c'est bien. Regarde, celui qui est à l'extérieur, il fait bon, hein. Travailler. Ceux qui sont les tailleurs de vie, ils sont bien, hein. Ah ouais, un petit peu le matin, soleil après-midi. Ouais, ils sont à l'aise et c'est mieux que la pluie, voilà. Ouais, pour faire un travail extérieur, c'est bon, voilà. Faut pas être à l'ombre, hein, parce qu'à l'ombre, des bâtiments, côté nord, tu te perds, il fait froid, hein. Par rapport à l'ouest, exposé plein soleil à l'abri du vent, là, c'est un peu chaud. Voilà. Ok, Rémi. Ok, là, Gilles, tu dois m'entendre plein pour là. Un petit sauterre, un petit décor, pour lui donner un peu de punch, la vitamine, Rémi. Alors, comme ça, ouais, là, au moment où j'ai dit Gilles, tu dois m'entendre plein pot, j'étais en train de passer sur le pont qui enjambre la Dordogne, là, ici, là, à Libourne. Voilà, j'étais à cet endroit-là, là, de la rocade de Libourne. Voilà. Là, Gilles, et oh, il a dû se faire un café avec de la crème de whisky. Voilà ce qu'il a dû se servir. Quelqu'un nous a donné une info, nous a montré la bouteille, sa bouteille de crème de whisky qu'il a chez lui, là, sa bouteille marron de crème de whisky. C'est, je dirais pas qui c'est qui nous a montré ça, mais il y a des espions chez lui. Hein. Oui, vous êtes
station bordelée, oui, oui, d'accord, et ça monte la beauté, marron là. Ah oui, la crème à whisky, ça, ça pas un bon oui, avec un bon café. Il est là, hein, derrière, lui, là. Il a repris les vitamines, lui, là. C'était bon, alors, le café avec la crème à whisky, lui, là. Un peu amico. Tiens. Ouais, je crois que c'est à moi que le micro a été retourné. Alors j'ai beaucoup de QRM dans le push, mais je t'entends, hein, les bonnes 73-51 de Rémi, 14 km 33-01, voilà, Dandy 33, là je suis aux portes de Libourne, voilà, je suis juste là, j'ai le panneau Libourne là, qui est devant moi, là. Voilà là où je suis en ce moment actuellement, là où je suis rendu là. Tiens la gueule de l'antenne de Sibis, c'est le camion rouge à côté. Et c'est une Paris-Dakar.
je fais? Je suis à la bonne vitesse? Je suis à environ à 30 km à l'ouest de la ville de Montréal. Tu vois? Oui, d'accord. C'est les œufs qui ont été captés au niveau du radar automatique. Parce que là, pour ma part, j'étais en dessous des 50 ans. Ça me dérange pas, pardon.
c'est bon là le Brésil. Ouais, j'ai le Brésil qui m'arrive plein pont, moi, ici, enfin, qui moustache plein pont, on va dire, ici, c'est pas évident. Je suis pas très loin d'arriver au Cuira, encore quelques kilomètres et je suis rendu. Ah bah faut que je fasse quelque chose là, contre les QRM là. Putain la vache, au secours. J'ai surmodulé, désolé. Allez, je vais faire une boucle, histoire d'être encore un peu plus en fréquence. Oh, ça s'écroule là à droite. Je vais aller me mettre sur une colline qui n'est pas loin de chez moi. Ouais, ça va le faire. Je suis toujours là, je vais trouver un point haut là pour pendant quelques minutes là pour pouvoir être à nouveau comme il faut, pour pouvoir entendre tout le monde. Je reviens. Yeah.
Le Québec parle au Québec. Les 73, Christian, oui, je suis du côté de chez moi, là, je suis dans les environs. Les 73. Eh bien, je sais pas, ça va dépendre si j'arrive à régler mon problème au QRA ou pas au niveau de la station. J'ai un problème à la station, on va dire que je suis en panne. Donc, faut que j'arrive à trouver ce que c'est. Si j'ai de la chance, oui, je serai en fréquence demain. Si j'ai pas de chance, eh bien, ça sera une autre fois. Ok, Rémi, t'as pas trouvé la panne, alors ? Eh bien, c'est pas que j'ai pas trouvé. Oh là, ça passe fort. C'est pas que j'ai pas trouvé, c'est que j'ai pas eu le temps de chercher où est la panne. C'est ça le problème. Et là, là, tu vois, là de suite, là, je vais pas avoir le temps non plus. Hein. Là, je vais m'arrêter un petit peu là sur le pendant quelques minutes là sur le j'arrive en haut de Sainte-Colombe. Voilà. Là, je suis au point le plus haut de Sainte-Colombe. Je vais m'arrêter un petit peu là sur le bord de la route, le temps de terminer le QSO là avec tout le monde. Et alors attends que je fasse une petite galipette, tac, voilà, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, et je vais me garer un peu dans la boue, voilà, là je suis bien là, voilà, là je suis juste, je suis tout à fait en haut là de Sainte-Colombe, et là ça doit passer là, ah si ça marche pas ici, ça marchera jamais là. Oui, oui, tu connais l'emplacement, t'es sur le pic de Sainte-Colombe, ça capote, c'est Casablanca, Rémi. Bon, ok, que t'as pas eu le temps pour l'anomalie en fixe là, de ta radio là. Bon, ben voilà, hein, que tu. Heureusement, t'as un mobile qui fonctionne parfaitement bien pour les cuissons. Allez, bonne propague, bonne continuation, au plaisir, Rémi, sois prêt, bye bye, merci. Ok, par contre, toi, le truc que je remarque, et ça déjà, c'est un gros défaut chez moi, c'est que j'ai tendance à parler trop fort dans le micro. Voilà, là, je parle déjà plus raisonnablement, là, ça va déjà mieux. Et j'ai tendance, avec le bruit et tout, ambiant et tout, ça, à brailler dans le micro, ce qui fait pousser en même temps le petit effet d'écho derrière qui devient un peu trop présent. Là, voilà, là, je parle plus raisonnablement. Et là, ça doit aller mieux. Ok, Christian, les bonnes 73-51 à toi. Et oui, il est 17h05 passé un peu. Bonne fin de journée et à plus. Oui, merci beaucoup, Rémi, je confirme. Et quand tu parles plus raisonnablement, plus doucement, c'est meilleur. Tu as une meilleure qualité de radio. Allez, 73 à plus, amuse-toi bien à demain. Ok, retour Gilles. Je l'entends.
6. Alors qu'ils sortent de moins 41. Oh la vache! Ok, merci pour le retour de micro. Je pense que j'ai... Alors, c'est très, très compliqué. Les 73-51 Pascal, voilà, déjà pour commencer. Alors, Gilles, Pascal, je t'entends très, très QRP, mais j'ai beaucoup de QRM aussi, là, de mon côté. Et Gilles me conseille de prendre depuis un moment déjà un filtre DSP là pour dans le push, ou plutôt un haut-parleur DSP là pour dans le push, mais j'écoute pas ses conseils, j'écoute rien. Résultat, j'ai un gros problème de QRM là dans l'audio. C'est vraiment compliqué là, de mon côté pour arriver à te sortir, Pascal. Mais je t'entends derrière, hein. C'est tout, je t'entends simplement. Gilles, au cas où Pascal m'entendrait pas, tu peux lui envoyer les 73-51 de ma part. Je suis en mobile à Sainte-Colombe. Voilà, Gilles, Sainte-Colombe. C'est là où j'habite, mais là je suis pas loin de la maison sur le point le plus haut du village. Voilà, Sainte-Colombe en mobile arrêté sur le point le plus haut du village. C'est à côté de Saint-Émilion, Gilles. Je dirais que le bruit est en train d'augmenter là pour le coup. Ah la vache, tous ceux qui les autres qui me cachent. Mon ami, c'est tout là. Allez,
Oui, 100% QSL. Par contre, de mon côté, là, j'ai le QRM qui est en train de monter. Je ne sais pas d'où ça vient. Habituellement, là où je suis, je n'avais rien comme QRM autrefois. Là, je vois aujourd'hui, là, c'est l'horreur. C'est peut-être la journée qui est comme ça, je ne sais pas. Bon, par contre, je suis en train de regarder l'heure. Il est 17h10 passé, là, ici, là, sur la France. Je vais rejoindre l'YL. Donc, j'envoie les bandes 73-51 à tout le monde, à toutes les stations qui sont en fréquence, ainsi que les SWL, de la part de 14 km 3301, Rémi Dandy 33 qui passe en QRT. J'aurai ma vidéo à travailler, Gilles. Tu pourras voir ce que ça donne là, de mon côté. Je vais me mettre au travail là de suite là en arrivant à la maison. Retour, Gilles, avec les bandes 73-51 toi. Et merci une fois de plus pour le QSO journalier. Ah ben là, je suis juste à côté de la maison, donc le plus compliqué est déjà fait de mon côté. Là, c'est, je suis plus très loin, je suis pour ainsi dire rendu, on va dire. Merci, les bonnes soirées 13-51 et à plus tard. Je suis rendu au QRA, les bandes 73 à tous, à plus, désolé, je passe en QRT, les bandes 73-51 à tout le monde, à plus. Ah bah alors là c'est la cata. Ouais, je suis rendu au QRA, les bandes 73 sont tournées, j'ai du mal à vous sortir. Les bandes 73-51 à plus, merci pour le QSO.